جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد terme seyid, c'est-à-dire, c'est pour cela que du terme as-seyidu, mettre juste as-seyidu comme on avait vu lors de la séance précédente, al-imam Jalaluddin al-Muhalla, rahimahullah, l'interdit. En tout cas, il a été rapporté qu'il l'interdit. Voilà. Pour la précision, il l'aurait interdit. Voilà, c'est-à-dire qu'au conditionnel, comme lui-même il a dit que certains. Donc dans l'Aziz, il y a ceci. Donc certains, ba'aduhum, il y a certains qui ont raconté, qui ont rapporté que l'imam Mahalla, rahmahullah, interdit qu'on utilise le terme as-sayyidu, c'est-à-dire avec l'article défini, pour exprimer quelqu'un d'autre, hormis Allah, exalté soit-il. Voilà, tout majestueux exalté soit-il. À cause du hadith qui dit que As-Sayyid c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce hadith là, c'est que Mutarif ibn Abdullah ibn Shikhir a rapporté, donc rahmallah a rapporté de son père Abdullah ibn Shikhir qui dit que je suis allé avec le wafd, c'est-à-dire la délégation de Banu Amir, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit vous êtes notre Seigneur, c'est-à-dire Anta Seyyiduna, vous êtes notre Seigneur, notre Sieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-Sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire le Seigneur, donc c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et dit regarde dans Al-Azizi et tu trouveras ce que je dis. En fait, donc on s'était arrêté là en disant que le terme Seyyid, donc Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de dire As-Sayyidu, il faudrait voir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Parce que le prophète, comme le dit l'imam As-Suyuti, rahimahullah, donc on va partir de là. Comme l'avait dit l'imam As-Suyuti, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit cela par modestie, par humilité et par fuite de fierté. Comme lui-même l'a dit dans un autre hadith, comme nous l'avions vu, le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, Ana Sayyidi, voilà de Adama, ou bien plutôt par l'imam Abu Daoud, dans les sunnans, voilà, c'est dans les sunnans, et dans le muslim, rahimahullah. Et quand il dit, Ana Sayyidi, voilà de Adama, voilà Fakhr, je suis le seigneur des fils d'Adam, et ce n'est pas par fierté. Bon, donc on avait parlé de ce hadith lors de la séance précédente, wallahi alhamdu wal minna. Et Sayyid al-Nazifi, radiallahu ta'ala anhu, donc, ou plutôt al-Azizi, donc quand on rapporte de cette parole, que Allah subhanahu wa ta'ala donc, est le Sayyid, il ne veut pas dire que c'est interdit totalement de dire As-Sayyid, par exemple, à une autre personne qui n'est pas Allah, tabarak wa ta'ala. En fait, parce que c'est juste pour dire que c'est lui aussi, c'est le Seigneur, et tout le monde sait que cela ne veut pas dire que c'est lui Allah. Comme par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi parle de ces choses, donc d'une chose, et il faudrait toujours voir le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette chose-là par humilité et pour ne pas par manque d'orgueil de sa part, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, cela ne veut pas dire que nous, on va l'appeler en lui disant, en l'appelant juste par son nom, car Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a interdit. Et wastiamal l'usage, l'afzus du terme siyada, de la seigneurie, fi salati, dans la prière, alayhi sur lui, sallallahu alayhi wa sallam,
C'est ce qui est plus à même de faire. C'est ce qui est plus conforme. C'est ce qui est plus convenable. Al-Aula. Voilà. Donc, c'est ce qui est plus convenable. Wal-Afdal, et c'est meilleur encore. Wastahsanahu, et l'a trouvé. Meilleur ou bon, l'a trouvé faisable. C'est-à-dire que Astahsana, c'est pour dire que on l'a trouvé, on a trouvé quelque chose comme étant quelque chose de génial. Voilà. Donc, il l'a trouvé génial. Ghayru wahidin, plus d'un. Voilà, ghayru wahidin, ce n'est pas à part un, c'est plus d'un. Ghayru, normalement, c'est à part, hormis, sauf. Mais ici, cela signifie plus. Ghayru wahidin, plus d'un. Par exemple, nous, en Wolof, on dit ni un, ni deux. Ni un, ni deux. Nous, c'est comme ça. Du ben, du nyar. Nous, c'est comme ça qu'on dit. Mais arabe, en arabe, ils disent ghayru wahidin, c'est-à-dire à part un, mais en français, en bon français, on dit plus d'un. Voilà. Min al-a'imma, parmi les dirigeants, parmi les imams, al-a'lam, les remarquables. Parmi les éminents imams, les plus remarquables, il y a plus d'un parmi eux ont trouvé génial d'utiliser le mot Sayyid, Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. De le dire comme ça, de cette manière-là, en disant Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Adaban, par convenance, par politesse. Wata'ziman, et par révérence. Le Seyyid al-Anam envers le Seigneur des créatures. Aïe salatu, qu'il ne cesse de déverser sur lui la prière, wa salam et la paix. Les salutations. Amen. Oui, il a raison. Plusieurs parmi les saints le disent, parmi les savants qui sont connus, reconnus mondialement et à travers tout. Les époques et toutes les localités. Le fait de dire à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous venons de voir ce terme, comme l'imam As-Suyuti rahimahullah a dit que le oui, Sayyidou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit donc dans le hadith qu'on a vu donc lors de la séance précédente et donc au début de cette séance, que le mot As-Sayyid a été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que c'est Allah qui est As-Sayyidou. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Dans cette expression, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que manifester sa modestie, son humilité. Sallallahu alayhi wa sallam. Et vis-à-vis aussi donc de par rapport à cela, donc il faut quand donc on fait la salat à la Nabi, on peut l'utiliser. Parce que par rapport à nous, parce que lui, il peut avoir cette humilité, cette modestie pour ne pas le faire. Mais cela ne veut pas dire que lui, il a cette humilité, que nous n'allons pas suivre le chemin qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'on doit savoir cela. Et parce qu'à un moment donné, même lui-même, il nous a fait savoir cela, malgré qu'il ne veut pas manifester de fierté. Malgré qu'il ne veut pas manifester de fierté, il nous a fait savoir que c'est lui Seyyidou. Il est Seyyidou. On a Seyyidou Adam comme nous l'avions. Je suis le Seigneur des fils d'Adam. Allez, salam, salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, alors, comment doit-on nous comporter par rapport à tout cela? On doit le dire. En tout cas, ce serait génial de le dire. Il y a aussi beaucoup d'autres imams hein, qui l'ont dit, comme Al-Bursouri. Al-Bursouri, c'est
Allah, c'est l'un des grands imams de Maliki, le Cheikh Ahmed Zarouk, l'imam Al-Hattab, etc. Dans le mazhab Maliki. D'ailleurs, les termes, parce qu'il dit que, Al-Burzuni dit, Rahimahullah, dit que les termes qu'on utilise pour magnifier et pour montrer notre révérence envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salatu ala nabi et dans d'autres cas de figure sont nombreux. Donc, il faudrait en faire usage pour montrer notre amour, notre révérence envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, rahmatullah, qu'ils sont très nombreux ces termes-là. Et comme l'objectif de la salat ala nabi, c'est-à-dire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif en tant que tel est quoi? Est de montrer notre amour, de montrer notre révérence, notre vénération envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'objectif. Au moment où c'est ça l'objectif, donc nous sommes tenus de le faire, d'exprimer ces termes-là pour encore magnifier, pour vénérer, pour sublimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Imam Ibn al-Arabi, rahimahullah, même dans le mazhab, Al-Imam Abu Bakr Ibn al-Arabi, Al-Qadi, rahimahullah, il dit que ces termes-là sont plus de 1000. Il y a plus de 1000 termes. Il y a Sayyidu, Mawla, etc. Et dans ces termes-là, il y a plus de 1000. Hein, Mawlana. Voilà. Sayyidina, wa Mawlana, wa Habibina, wa Shafi'ina, etc. Hein? Wa Nabiyina, wa Rasulina, wa Qudwatina, wa Uswatina, wa Fakhrana, wa Malazana, etc. Et on peut aller jusqu'à 1000. Plus de 1000. Voilà. Et ça c'est le terme. Ça montre la grandeur du terme, de la seigneurie, etc. Mais le mot Seyyid, c'est le plus célèbre, hein, parmi tout ça. Donc on peut en faire usage. Et Al-Hattab, rahimahullah, aussi lui, dit que, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et je le fais. Non seulement je le fais, et quand je fais la salat à la Nabi, dans n'importe quelle situation, mais même pendant la prière là que je fais, il dit Allah me salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. C'est comme ça que j'ai dit, moi. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, en disant que, oui, quand même, c'est vrai qu'il faut mettre Sayyidina, mais pendant la prière, c'est pas trop sûr. Parce que les chafets, en fait, il faut savoir ça. C'est pour ça là, Allah. Al-Shafi'i, rahimahullah. Mais en tout cas, ce qu'on peut juger et qui est exotérique, ça, on peut juger. Ça, il est évident que les Shafi'i ont eu la préférence, la prédominance par rapport aux autres mazhabs. En tout cas, le savant. Et il y a une autre chose aussi que les savants Shafi'i ont. Et en tout cas, on instaure que les autres n'ont pas fait. Et ça aussi a beaucoup de conséquences par rapport à leur précédence. C'est le fait qu'ils vénèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de telle sorte que pendant la prière, la salat à la nabi, eux ils disent qu'il faut mettre la siyada dedans. Il faut mettre Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. C'est comme ça qu'ils disent. Il faut mettre la siyada. Et l'imam Al-Qadi Iyad, rahimahullah, en fait, en disant que non, par contre, comme c'est comme ça qu'il l'avait enseigné, Allah m'a fait à Muhammad, c'est comme ça qu'il a enseigné,
Voilà, le Mohammed. Bon, on va faire ça, on va s'en arrêter là, même si dans notre discours, etc., on va dire c'est le Mohammed, mais pendant la prière, en tout cas, ce qui a été rapporté, comme dans la salade Ibrahim, etc., il faut s'arrêter quand même à ce qui a été dit. C'est ainsi, c'est ceci que Al-Qadir Ayad Rahimahullah a parlé. C'est ainsi que Al-Qadir Ayad Rahimahullah a parlé. Donc, l'imam Al-Nabahani Rahimahullah, dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, a dit, oui, bon, Al-Qadir Ayad Rahimahullah, c'est notre ami. Mais, parfois, quand même, on peut ne pas être d'accord avec l'ami. Même si on va lui donner des excuses, on va lui trouver des excuses, mais là, par contre, on n'est pas d'accord. Voilà. Il faut dire ce qu'il dit. Non, il faut le dire. Il faut dire ce qu'il dit. En parlant du professeur Sam. Non, il ne faut pas jamais dire Mohammed comme ça. Même pas dans la prière. Même dans les prières du professeur Sam. Est-ce que vous savez, les chafiïs autorisent, en faisant la prière, l'appel à la prière, après Ashhadu an la ilaha illallah, dire Ashhadu an Sayyidina Muhammad Rasulullah. Oui, pendant l'appel de la prière, à la prière. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد.